Qu'est-ce que la vérité de nos vies? Les petites et les grandes joies du quotidien, la naissance d'un enfant, un rayon de soleil capté dans la grisaille de novembre. Qu'est-ce que la vérité de nos vies? Les soucis du quotidien, une roue qui crève, un chauffage en panne. Qu'est-ce que la vérité de nos vies? Un drame qui nous touche, un deuil impossible, une trahison qui fait mal. Qu'est-ce que la vérité? C'est un peu de ceci, c'est un peu de cela. Qu'est-ce que la vérité? C'est ta parole au Seigneur qui nous rencontre ce matin. L'amour, la grâce et la paix de notre Seigneur sont sur nous, ici et maintenant. Amen. Et nous nous levons pour chanter tous ensemble au Notre Dieu, tous ensemble au Notre Dieu, c'est le numéro 205. Bienvenue ce matin à tous et toutes pour ce temps de culte. Et nous avons la joie ce matin d'accueillir une classe de confirmants-confirmantes de Küsnacht. Et je vais laisser à Henri de vous accueillir en allemand. Je vais einfach herzliches Willkommen sagen zu all diese Jungen. Es ist so selten, so vielen Jungen in diesem Dom zu sehen. Ich weiß nicht, ob Sie alles verstehen können, aber wenn nicht, mindestens können Sie mit uns beten und singen. Herzliches Willkommen noch einmal. Merci. Louons le Seigneur au travers des mots du psaume 24, psaume de David. Au Seigneur, la terre et ses richesses, le monde et ses habitants.
C'est lui qui l'a fondée sur les mers et la tient stable sur les flots. Qui gravira la montagne du Seigneur? Qui se tiendra dans son saint lieu? L'homme, la femme, aux mains innocentes et au cœur pur, qui ne tend pas vers le mal et ne jure pas pour tromper. Il obtient du Seigneur la bénédiction et de son Dieu sauveur la justice. Telle est la race de celles et ceux qui le cherchent, qui cherchent ta face, c'est Jacob. Porte, levez vos têtes. Élevez-vous, portails antiques, qu'il entre le roi de gloire, le Seigneur fort et vaillant, le Seigneur vaillant à la guerre. Porte, levez vos têtes, levez-la, portails antiques, qu'il entre le roi de gloire. Qui est-il, ce roi de gloire? Le Seigneur de l'univers, c'est lui, le roi de gloire. Et avec joie et vigueur, nous nous levons pour chanter le psaume 24 au numéro 14 de vos cantiques à l'Éternel, Dieu Tout-Puissant. Remettons dans la prière ce qui nous charge.
Qu'en est-il de nos décisions, Seigneur ? Nous sommes souvent amenés à prendre des décisions. Nous sommes parfois rapides à la réflexion, ou au contraire, nous tergiversons. Qu'il est parfois difficile de juger. Nous avons peine à faire le tri. Nous avons des difficultés à distinguer un avenir. Nous craignons les conséquences de nos jugements. À quelle aune décider, Seigneur ? Bien souvent, je le confesse, je prends le parti qui me convient et avantage mon immédiat. Bien souvent, ta parole résonne qu'en arrière-fond, et je n'en tiens plus compte. Comme Pilate, je me lave les mains des conséquences. Accueille-moi, Seigneur, dans mes renoncements et mes doutes. Levons-nous pour recevoir les paroles de grâce. L'accueil radical de notre Seigneur dépasse notre entendement humain. Sa royauté nous inonde de sa grâce et de son pardon. Il nous veut debout et éveillés pour aller dans le monde. Amen. Et nous chantons. Que ton Église fasse honneur, c'est le cantique 212. Que ton Église fasse honneur, cantique 212. Nous prions Dieu avant de lire les Écritures, afin qu'elles deviennent pour nous paroles de vie. Père, tu n'ignores rien de nos réticences, ni de nos résistances devant ta parole. Tu sais combien nous nous esquivons lorsque ton évangile se fait précis, combien nous interprétons lorsqu'il nous interpelle trop. Combien nous oublions lorsqu'il se fait dérangeant.
Et pourtant, nous revoici ce matin à l'écoute de ce que nous disent les Écritures. C'est pourquoi nous te prions. Que ton esprit nous accorde un cœur ouvert et une intelligence accueillante à ton évangile. Derrière les mots que nous entendons, donne-nous de discerner ta parole de vie, ta parole pour nos vies. Amen. Tout d'abord, dans le livre de Daniel au chapitre 7, les versets 13 et 14. Je regardais dans les visions de la nuit, et voici qu'avec les nuées du ciel venait comme un fils de l'homme. Il arriva jusqu'au vieillard, et on le fit approcher en sa présence. Et il lui fut donné souveraineté, gloire et royauté. Les gens de tout peuple, nations et langues le servaient. Sa souveraineté est une souveraineté éternelle qui ne passera pas, et sa royauté, une royauté qui ne sera jamais détruite. Et puis, dans l'évangile de Jean, au chapitre 18, les versets 28 à 38. Cependant, on avait emmené Jésus de chez Caïphe à la résidence du gouverneur. C'était le point du jour. Ceux qui l'avaient amené n'entrèrent pas dans la résidence pour ne pas se souiller et pouvoir manger la Pâque. Pilate vint donc les trouver à l'extérieur et dit « Quelle accusation portez-vous contre cet homme ?» Ils répondirent « Si cet individu n'avait pas fait le mal, te l'aurions-nous livré ?» Pilate leur dit alors, « Prenez-le et jugez-le vous-même suivant votre loi. » Les autorités juives lui dirent, « Il ne nous est pas permis de mettre quelqu'un à mort. » C'est ainsi que devait s'accomplir la parole par laquelle Jésus avait signifié de quelle mort il devait mourir. Pilate rentra donc dans la résidence. Il appela Jésus et lui dit « Est-ce toi le roi des Juifs ?» Jésus lui répondit « Dis-tu cela de toi-même ou d'autres te l'ont-ils dit de moi ?» Pilate lui répondit « Est-ce que je suis juif, moi ?» Ta propre nation, les grands prêtres, t'ont livré à moi. Qu'as-tu fait ? Jésus répondit, « Ma royauté n'est pas de ce monde. Si ma royauté était de ce monde, les biens auraient combattu pour que je ne sois pas livré aux mains des autorités juives. Mais ma royauté, maintenant, n'est pas d'ici. » Pilate lui dit alors, « Tu es donc roi ?» Jésus lui répondit, « C'est toi qui dis que je suis roi. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. » Pilate lui dit, « Qu'est-ce que la vérité ?» Levons-nous pour chanter au cantique numéro 104, Louange et gloire au Créateur.
Moi, Ponce Pilate, nommé gouverneur de Judée depuis 26 par le puissant préfet du prétoire Séjon sous l'empereur Tibère, je dois faire régner l'ordre sur cette province toujours instable. J'ai dû déjà mater plusieurs révoltes d'illuminés ou de brigands qui profitent du chaos ordinaire pour piller et commercer illicitement. Beaucoup de mes prédécesseurs n'ont pas su rester en poste dans cette embrouillamini toujours en ébullition. Je me console du prestige de la sarge. Moi, Ponce Pilate, citoyen romain de la classe équestre, préfet de Judée, j'ai déjà réussi ma carrière. Je ne crains pas les jeux de pouvoir et je me délecte de ce grand carnaval où je manipule les antagonismes ethniques en opposant les forces autochtones. Lorsque je réponds positivement aux Sadducéens, je refuse la même chose aux pharisiens. Les uns se croient privilégiés et les autres essaient de gagner mes faveurs. Ma seule vérité est celle du rapport de force. Ma seule vérité est d'augmenter mon pouvoir sur les autres. Je ne connais que le rapport de force et jubile quand il m'est favorable. Ma botte secrète, je suis détenteur de l'imperium, le pouvoir de condamner à la peine capitale. L'imperium me donne une autorité crainte et respectée sans équivalent. Bien entendu, je dois proposer un procès, je dois convoquer et entendre les parties, je dois respecter les règles essentielles du droit romain. Pourtant, la sentence finale se dicte selon mon bon vouloir. Alors, lorsque les gardes de chez Caïphe débarquent au petit matin au palais, je soupçonne déjà un peu leur requête pour se nommer Jésus, qu'ils ont arrêté hier. Et oui, je le fais quand même suivre depuis peu, parce que parmi la galaxie des maîtres spirituels de Judée, celui-là commence à se faire un nom, mais je ne le connais pas encore assez pour en tirer profit. Je m'amuse déjà de leur embarras. Nous sommes en pleine période de Pessah, leur Pâque juive. Voilà d'ailleurs pourquoi j'ai quitté ma confortable résidence de Césarée pour rejoindre ce palais de Jérusalem où je donne audience. Pendant Pessah, cette Pâque juive, je préfère être sur place à Jérusalem, au plus proche de l'action et pouvoir réagir rapidement en cas de débordement. Et cette année encore, il semble que les festivités ne vont pas être de tout repos. Alors je les vois arriver de loin, entourant ce pauvre bougre qu'ils ont arrêté hier dans la nuit. Ces gardes ne me sont pas connus, c'est sûrement la même escorte qui le trimballe d'un endroit à l'autre. Oh, j'ai un peu frémi. Il y a 5 jours, quand l'individu a fait une entrée triomphale dans la ville, acclamé par une foule assez nombreuse de partisans, ils l'ont accueilli comme un roi. Il faut toujours se méfier de ces mouvements de population. Et son arrestation tombe à point nommé, je vais pouvoir évaluer les ambitions de cet homme. L'individu Jésus arrive donc au palais, encadré par sa garde qui piétine devant la maison. La maison d'un impur qu'ils n'ont pas le droit de pénétrer. Dans leur loi, ils peuvent tout à fait me rencontrer, me parler, mais ils ne peuvent pas entrer chez moi, le païen.
S'ils franchissent mon seuil, ils ne pourront pas manger leur Pâque, le sommet de leur année religieuse. Quelle ironie! Pour des principes religieux, ils ne peuvent pas entrer chez moi, mais livrer un homme à mort ne semble pas les déranger outre mesure. Moi, Ponce Pilate, je ne crois rien. Je crois simplement que la religion est un moyen simple pour manipuler le peuple. Alors les gardes restent sous le porche de la résidence avec l'homme. Je leur demande « Quelle accusation portez-vous contre cet homme ?» Ils répondent « Si cet individu n'avait pas fait le mal, te l'aurions-nous livré ?»« Bah, prenez-le vous-même et jugez-le suivant votre loi. » Il ne nous est pas permis de mettre quelqu'un à mort. Quel aveu d'impuissance des autorités de Jérusalem. Ils sont obligés de passer par moi pour obtenir leur justice en me livrant cet homme. Je me délecte de leur faiblesse, de ces grands prêtres qui me délèguent tout pouvoir sur celui qui prétend être l'envoyé même de leur Dieu. Ils me le confient. Ont-ils quelque crainte qu'il soit cet envoyé? Pour des prétextes religieux, ils vont s'en séparer. Pour fêter leur Pâque, ils se séparent de cet homme. C'est un peu curieux en termes de stratégie. Il aurait pu leur apporter beaucoup. Enfin, je ne m'en plains pas. Ce Jésus, bien entouré par les autorités locales, aurait pu être dangereux en cas de soulèvement. Mais à cette heure, il est seul. Même ses plus fervents partisans viennent de le renier. Je vais pouvoir l'interroger dans ma résidence. Est-ce toi, le roi des Juifs ? Il me répond, dis-tu cela de toi-même ou d'autres te l'ont dit pour moi ? Et je lui réponds, est-ce que je suis juif, moi ? Ta propre nation, les grands-pères t'ont livré à moi. Qu'as-tu fait ? Il faut quand même reconnaître à cet homme un sacré courage. Le courage de se planter devant moi et de dire est-ce que, et de répondre à mes questions par des questions. Je m'attendais à jouer ma vérité contre sa vérité. Ma vérité, je suis le pouvoir en Judée. Contre sa vérité, je suis le roi des Juifs. Mais cet argumentaire n'intéresse pas l'homme. Drôle de personnage. Qu'est-ce que j'en sais, moi, qui il est ? Roi des Juifs ? Comment a-t-il pu se mettre à dos toutes les autorités de temple en étant aussi peu envieux de son titre ? Je suis au moins fixé. Il n'est pas dangereux pour moi. Je le laisse à ses élucubrations et vais essayer de voir comment gérer le problème en en tirant profit. Cette plongée fictive dans le ressenti du personnage de Ponce Pilate laisse tout de même perplexe. Elle montre l'abîme qu'il peut exister entre les aspirations du procurateur de Judée-Samarie et Jésus. Ils se croisent dans le prétoire sans jamais se rencontrer. Le dialogue rebondit sur un ping-pong de questions-réponses sans véritable compréhension. Dialogue qui se finit pour ce premier round par la célèbre phrase de Pilate « Qu'est-ce que la vérité ? »
ce passage est finalement assez décourageant pour nous aussi. En effet, nous voyons que le commun des aspirations humaines ne rencontre pas, à ce moment-là, la vérité de Jésus. Il est seul après son arrestation. Ce dimanche, nous achevons notre année liturgique avant d'inaugurer la prochaine, la semaine prochaine, où nous serons au début de l'Avent. Et tout au long de notre année liturgique, nous avons suivi les textes bibliques proposés pour en finir ce matin sur cette question : qu'est-ce que la vérité ? Nous avons parcouru verset après verset les textes proposés pour terminer sur ce passage où tous les protagonismes synthétisent par leurs actes et leurs paroles toute la veulerie humaine, accusations fausses et sans fondement, manipulation de prétextes religieux pour se débarrasser de l'envoyé, hypocrisie poussée à son paroxysme. Non, je ne pense pas que Pilate se prend d'affection pour Jésus, ni même se convertit. Il essaye de gérer au mieux la crise pour ne pas perdre ses bénéfices. La comédie humaine joue sa partition pour mettre à mort Jésus. Qu'est-ce que la vérité ? Alors peut-être ce matin, il nous faut écouter un autre texte, celui de la prophétie de Daniel, mais peut-être l'écouter avec nos sens et nos imaginaires. Alors je vous propose de faire taire en nous notre désir de comprendre et d'apprivoiser et d'essayer d'entrevoir dans la vision de Daniel ce royaume tant promis. Voici la parole du prophète. Je regardais lorsque des trônes furent installés et un vieillard s'assit. Son vêtement était blanc comme de la neige, la chevelure de sa tête comme de la laine nettoyée. Son trône était en flammes de feu avec des roues en feu ardent. Un fleuve de feu coulait et sortait de devant lui. 1000 milliers le servaient. 10 000 myriades se tenaient devant lui. Le tribunal siégea et les livres furent ouverts. Je regardais. Alors, à cause du bruit des paroles monstrueuses que proférait la corne, je regardais. Lorsque la bête fut tuée et son corps abattu, elle fut livrée à l'embrasement du feu. Quant au reste des bêtes, on fit cesser leur souveraineté et une prolongation de vue leur fut donnée jusqu'à une date et un moment déterminés. Je regardais dans les visions de la nuit et voici qu'avec les nuées du ciel venait comme un fils d'homme. Il arriva jusqu'au vieillard et on le fit approcher en sa présence. Et il lui fut donné souveraineté, gloire et royauté. Les gens de tout peuple, nation et langue le servaient. Sa souveraineté éternelle ne passera pas. Et sa royauté sera une royauté qui ne sera jamais détruite. Recevons bien l'invitation de ces paroles. Un ciel de liberté puissant d'images, une symphonie de sons, un foisonnement de sensations inhabituelles, un goût d'éternité par tout point extraordinaire. Laissons-nous venir à cette royauté puissante, inaugurée par Jésus le Christ lui-même, vérité faite homme. Frères et sœurs, même
dans la tempête qui s'abat sur lui et va anéantir sa vie. Le Christ seul se tient face au jugement humain pour rendre témoignage à Dieu, seule vérité. Il le fait pour nous. Écoutons sa voix bien plus puissante que celle de tous les Pilates du monde. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. Amen.
Quelques annonces pour la vie de notre paroisse. Merci ce matin à Valérie, Henri, Jean-Claude, Daniel pour l'accueil et les lectures. Merci à Arthur Saunier qui est ce matin à l'orgue. Merci à K.O. qui met en ligne notre culte. Voilà, pour la semaine qui s'ouvre, nous avons de beaux rendez-vous qui nous attendent. Vous avez toujours la prière du jeudi à 12h30 qui sera célébrée par Sandrine ce jeudi. Et puis, samedi prochain, office du soir avec les pasteurs Laurence Mottier et Sandrine Londeau, accompagné par l'ensemble vocal diaphane. C'est ici donc samedi prochain à 18h. Et dimanche prochain, début de notre année liturgique, par le premier dimanche de l'Avent. Vous l'avez sûrement vu, nous cheminerons durant notre temps de l'Avent avec le livre de Jonas. Et j'aurai le plaisir de célébrer avec les jeunes de la paroisse dès dimanche prochain, ici à 10h. Nous allons recueillir votre offrande pendant le temps de chant. Vous avez, vous qui êtes en ligne, la possibilité aussi de donner votre offrande. Vous allez voir s'incruster sur votre écran les coordonnées bancaires de notre paroisse. Dieu aime que nous donnons avec joie et bonheur. Nous nous levons pour chanter « En toi, je me confie ». C'est le numéro 389 « En toi, je me confie ». Et juste une dernière annonce, excusez-moi, à la sortie, Olivier vous proposera la feuille de trèfle, le journal des chômeurs et des sans-abri à Genève. Merci de lui faire bon accueil. Nous nous levons pour chanter « En toi, je me confie ». Dieu. C'est notre joie de te célébrer, ô Dieu notre Père, pour ce monde que tu as créé si beau et que tu gardes à travers ses douleurs jusqu'au jour où, selon ta promesse, viendra ton royaume.
C'est notre joie de te célébrer pour ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, né de notre chair, baptisé, tenté, transfiguré, condamné, crucifié, ressuscité d'entre les morts, élevé dans la gloire. C'est notre joie de te célébrer pour ton souffle de vie, l'esprit d'adoption qui nous apprend à te dire Père, qui exorcise nos peurs et illumine notre foi. Aussi, avec les cieux et la terre, avec la multitude de ton peuple, par tous les temps et par tous les lieux, nous célébrons ton nom. Et nous chantons le Sanctus au numéro 129. Le soir venu, Jésus se mit à table avec les 12. Pendant le repas, il prit du pain. Et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant « Prenez, ceci est mon corps ». Ayant aussi pris la coupe, et rendu grâce, il la leur donna en disant « Buvez-en tous, ceci est mon sang, le sang de l'Alliance qui est répandu pour la multitude, pour le pardon des péchés. Je vous le dis, désormais, je ne boirai plus de ce fruit de la vigne avec vous jusqu'au jour où je le boirai nouveau dans le royaume de mon Père. Amen. » Père, au moment de nous approcher de cette table, nous faisons mémoire des paroles et des gestes de Jésus-Christ, de sa mort, de sa résurrection, et nous attendons son retour. Nous recevons de toi ce pain de vie destiné à la nourriture du monde. Nous recevons de toi la coupe d'alliance que tu offres pour la joie du monde. Tu nous rassembles et tu nous invites. Par ton esprit, renouvelle notre foi afin que ce pain et ce vin soient les signes de la présence de ton Fils parmi nous. Fais toutes choses nouvelles dans nos cœurs et dans le monde. Et comme Jésus l'a enseigné à ses disciples, nous te disons, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles.
Amen. Amen. Voici le repas que nos mains ont préparé, mais c'est le Seigneur lui-même qui nous y invite. Voici la table que nous avons dressée, mais c'est lui qui nous accueille. Voici la joie que nous avons désirée, mais c'est Jésus lui-même qui nous la donne. Je vous invite tous et toutes à venir ici dans le cœur nous rejoindre autour de cette table. Venez, tout est prêt. Celles et ceux qui reconnaissent Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur sont invités à prendre ce pain et ce vin. Nous avons ici du jus de raisin et dans les verres un peu plus transparents, du vin. Le pain que nous rompons et communions au corps de notre Seigneur Jésus-Christ. La coupe de bénédiction pour laquelle nous rendons gloire et communions au sang de notre Seigneur Jésus-Christ, versée pour nous. Amen.
Dieu notre Père, nous te remercions pour ce pain et ce vin partagé. Nous te remercions, nous te louons pour ta parole, lue, entendue et prêchée, qu'elle nous redise toujours ta vérité sur nos chemins. Oui, Seigneur, tu es la vérité. Fais-nous la sentir, fais-nous la goûter, fais que nous en vivions. Amen. Nous allons regagner nos places pour chanter un dernier cantique et recevoir la bénédiction qui vient de Dieu. Attention à la marche. Et nous chantons « Demeure par ta grâce » le numéro 145. Le Seigneur étend sur nous son aile, il répand sur nous sa paix, son amour fidèle nous garde pour jamais. Allons dans nos vies avec ses certitudes. La grâce, l'amour et la paix de notre Seigneur sont sur nous. Amen.